Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui parlera aujourd'hui donc de VisionWork, qui est une librairie disponible avec le Jetpack 3.1. Donc c'est une librairie pour faire du traitement d'image, un peu comme OpenCV. Donc pour commencer, donc on va ouvrir la documentation. Donc pour ça, on va donc dans Computer, dans User, Share et VisionWorks. Ensuite, on va dans Docs et ensuite on aura un fichier index.html. Donc on l'ouvre dans notre navigateur. Donc on obtient donc cette page là, donc avec des exemples de programmes, les différentes API, des guides d'installation et des exemples. Donc on voit à peu près tout ce que contient la documentation. Donc moi je vais commencer donc pour montrer donc voilà comment, si on veut l'installer sur Linux, comment faire. Donc sachant que si vous avez installé le Jetpack, il est déjà installé, donc vous n'avez pas besoin de faire cette partie là. Donc ensuite on va passer donc aux exemples, donc sample and demo, user guide et build for Linux. Donc la première ligne, moi je l'ai déjà faite, en gros c'est pour récupérer les exemples, et donc ils vont se mettre dans home, et après home et VisionWorks, et après votre version. Donc, moi c'est 1.6. donc, ensuite vous allez dans bin, arch, Linux, release, et là ils vont apparaître là. Donc, moi je les ai déjà compilés, donc je les supprime et je vais les refaire pour vous. Donc on va dans le fichier des exemples de VisionWorks. Et ensuite on fait une commande make pour pouvoir donc avoir nos fichiers exécutables en fait. Voilà, maintenant que c'est fait, donc on voit qu'on a tous nos fichiers exécutables. Donc par exemple une vidéo qui montre de la circulation avec tous les différents points qu'on peut observer. On peut faire pareil par exemple avec des piétons et essayer de voir la direction dans laquelle ils vont, etc. Et on peut aussi par exemple faire de la stabilisation d'image. Donc sur la vidéo de gauche, une vidéo qui est prise qui n'est pas du tout stable, alors que sur la vidéo de droite, on voit que c'est tout à fait, c'est beaucoup plus stable. Donc moi je vais prendre un exemple, donc je vais récupérer l'exemple de la capture de vidéo de la caméra, donc de la Jetson, et je vais essayer donc de faire des modifications sur ce flux vidéo. Donc pour ça je vais aller dans Home, on va aller chercher l'exemple, donc VisionWorks, Sample. Et donc c'est NVGT caméra capture. Donc j'ouvre le fichier .cpp que je vais modifier. Donc on voit qu'il y a toutes les différentes librairies qui sont importées. Donc de base dans le programme, il n'y avait qu'une seule frame. Et elle était configurée en config.format, donc c'est l'image classique, et il n'y avait pas de frame B, ça c'est moi qui l'a rajouté. Donc là je vais vous le compiler comme il était de base. Donc, le config format, ça le met dans un format classique d'image, donc avec la couleur et tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, j'ai modifié comme il était à la base.
je le recompile, et donc on voit qu'on récupère dans le fichier binaire, et si on l'exécute, juste donc ce qui récupère la caméra. Voilà, on voit une vidéo classique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc la. Je vais essayer de que le flux vidéo soit en noir et blanc. Donc pour ça, on passe en VXDF image U8. Donc ça, en gros, vous trouverez dans l'API que c'est ce qu'il faut mettre si on veut une image en noir et blanc. Donc là, voilà, on voit que maintenant, on a une image en niveau de gris. Maintenant, deuxième chose, c'est que je vais retourner mon image. Donc pour ça, je rajoute une deuxième frame avec les mêmes caractéristiques. Et tout se passe, on va dire, donc dans notre boucle. Donc ici, c'est la commande nvxu flip image. Donc je lui passe le contexte, nos deux frames. Et le type de retournement qu'on veut faire. Donc tout ça, je l'ai pas inventé. J'ai tapé flip dans l'API et on voit qu'on tombe sur le flip image avec un exemple et les différents énumérés ou fonctions que l'on peut faire. Donc on peut voir que au niveau du flip, l'énuméré, on peut faire un flip horizontal, vertical, boss. Et on a donc on a l'exemple qui va avec. Donc moi j'ai fait un flip à la fois horizontal et vertical. Donc on voit ici la fonction que j'ai utilisée. Voilà, avec mes deux frames et mon flip. Ensuite, je vais recompiler. Et voilà, on voit que cette fois l'image est retournée à la fois horizontalement et verticalement. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous conseille vraiment de regarder. Regardez l'API, elle est vraiment très complète, donc vous trouverez vraiment beaucoup d'informations. Alors, il faut savoir que pour la compilation, c'est compilé avec un Makefile. Donc, si vous voulez pas repartir d'un exemple mais créer un nouveau projet, vous allez devoir créer votre Makefile pour faire le lien vers toutes les différentes bibliothèques. Voilà, par exemple, le Makefile que je vais ouvrir là, on voit qu'il fait le lien avec tous les fichiers CPP et les fichiers .h et .c de toutes les librairies plus bas niveau, surtout de NVX IO. Et donc si créer votre propre projet, il va falloir donc aller faire des includes vers toutes ces librairies-là. Et si vous les faites à la main, vous en sortirez pas car il y en a beaucoup trop à importer. J'ai essayé de le faire et j'en étais à plus d'une vingtaine. Donc si vous gérez pas ça dans les Makefiles, ça va être vraiment vraiment compliqué. Donc on voit ici, donc je remonte un peu l'API qui est très bien faite. Donc on peut avoir vraiment par exemple, tous les types, les images, à quoi ça ressemble. Je vous conseille d'aller aussi sur taper Nvidia VisionWorks. Là, il y a pas mal d'informations directement sur le site d'Nvidia. Donc vous avez donc déjà tout pour le télécharger, toutes les références avec la documentation.
Le webinar, donc ça va être, il y a deux vidéos tutoriels entre guillemets sur VisionWorks, plutôt en termes d'architecture et comment fonctionne l'API. Sachant que la deuxième, elle est faite par, donc elle est en anglais, mais elle est faite par un français. Et donc on a aussi ici toutes les fonctions entre guillemets. Donc c'est comme ça que moi j'ai trouvé la fonction que je vais utiliser. J'ai vu Flip Image, je me suis dit tiens, je vais tester celle-là. Donc vous avez les différents filtres, les transformations géométriques, etc. etc. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans le prochain tutoriel.